Et je discutais avec Monsieur Kiss, parce qu'on regardait la famille là-haut. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui dis des fois, par exemple en France, la famille Picasso, quand le Picasso meurt, le plus tard possible, hein. Mais après, dans les familles, quand le gars commence à être connu, si un jour, après il se déchire. Et il m'a dit, bah oui, même, le cousin, le truc, le machin, les notaires, alors après l'héritage, il était bloqué. Et tu sais qui c'est qui a fait la succession, qui s'était occupé de la famille Picasso? C'est Roland Dumas. Vous savez, Roland Dumas, vous connaissez, il était avocat et c'est lui qui a fait. Il a fait aussi le truc de le sculpteur italien Giacometti. Succession, ils appellent ça. Parce que les tableaux restent, nous on s'en va, on partira tous. Sauf que quand c'est un bon artiste, des fois, dans les familles, espérons que ça se passe bien dans toutes les. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien quand un artiste il donne. Il dit, allez, moi je donne tout à tel musée, à tel truc. Comme ça, pas de déchirure, pas de bis-bis.